Raymond, tu es le moins mauvais des grenules. Tu chanteras avec les voix graves. C'est là que tu gêneras le moins. Je sens une belle énergie dans votre groupe. Et maintenant, je vous présente votre nouvel uniforme. Pauvre Raymond, obligé de chanter avec les autres. Il a vraiment pas de chance d'avoir été sélectionné. Il a une voix de canari asthmatique, mais lui, il a le droit de chanter dans une chorale. C'est n'importe quoi, vraiment. Tiens, c'est l'heure de mon médicament. Dis donc, ça s'arrange pas ton allergie. Oh, m'en parle pas, si c'était de sel, t'es de pollen, ça m'attaque les cordes vocales. Et puis après, ça fait comme des gros bubons, plein de bave avec du... Oh, ça va, hein. Je préfère pas trop savoir, en fait. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte que Raymond revienne. C'est pas pareil quand il est pas là. Ah ouais, c'est clair. Tiens, bah le v'là. C'est quoi cette dégaine? Salut les amis. C'est fini Raymond, tu peux t'habiller normalement, tu sais. Non, on n'a pas le droit. La chorale, c'est un art de vivre. L'important, c'est le groupe, tu vois. Bah non, je vois pas. Et c'est pas trop galère de chanter? C'est les 5 premières heures qui sont difficiles, mais c'est rigolo finalement. On va même créer l'hymne de l'école. Si vous voulez, je peux m'arranger pour vous faire venir. Pour vous faire venir. Tu viens de chanter là? Ah bon? Raymond, tu viens? On t'attend pour la suite. Bon, je vous laisse. Salut les copains. Oh mon dieu, ils lui ont lavé le cerveau. Voir son meilleur pote chanter et porter un débardeur. Je pensais pas que ça m'arriverait. Dis donc Raymond, on t'a pas vu hier soir, t'étais où? Ah désolé, on s'est gargarisé avec Azouz. Hein? Bah oui, pour garder une belle voix. Dis donc, elles sont géniales tes soirées depuis que t'es dans la chorale toi. Tu m'étonnes, je pensais pas que je m'éclaterais autant. Et tu prends quoi Raymond comme plat du jour, steak ou poisson? Du steak ou du poisson? Steak, steak, steak. Poisson, poisson, poisson. Là, c'est vraiment super naze. Steak ou poisson? Poisson. Steak ou poisson? Steak ou poisson? Le choix n'est pas bidon. Raymond, 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 que vas-tu choisir? Ah, mais je ne sais plus, je suis perdu. Ça serait plus facile avec un signe. Yeah. Steak, steak, poisson, poisson. Steak, steak, poisson, poisson. Steak, steak, poisson, poisson. Steak, 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 poisson, poisson. Steak, steak. Écoute tes désirs, c'est toi qui vas choisir. Écoute ta voix, le choix, il est en toi. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si tu n'arrives pas à te décider, Raymond, 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 vas-y donc les yeux fermés. Je fous plus les pieds dans cette cantine. Heureusement, ici, on est tranquille. C'est vrai, qu'est-ce qu'on est bien. C'est la joie du quotidien. Je te bosse le boule. Et c'est un vrai régal. Je glisse comme une saucisse. On n'y échappera pas. Il faut partir d'ici, les amis. Partir loin d'ici, très loin d'ici. Ah oui, partir très loin Raymond, d'ici. Ça veut rien dire ce que tu chantes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Marcello? Je vais très très bien, je vais très très bien. C'est fichu, il est resté bloqué, il sera plus jamais comme avant. Détrompez-vous, moi, je sais comment le rendre normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé Raymond, on a été obligé de te kidnapper. Quoi? Tu es en cure de désintoxication, on fait ça pour t'aider vieux. Cette chorale, c'est pire qu'une secte, vous chantez tout le temps. Mais c'est pas vrai, je chante jamais. C'est le moment, vas-y Valérian. On va te désensibiliser tête de carotte. Arrête, tu me fais flipper là. C'est le best-of de Céline Fabion, 4 heures de vocalise non-stop. Sorti de là, tu pourras plus jamais écouter de la musique. S'il vous plaît, pitié, je chanterai plus jamais. Pauvre vieux, vous pensez qu'il va s'en sortir? J'espère qu'il n'aura pas trop de séquelles. C'est seulement la première étape. Maintenant, on fait sauter la chorale. On va quand même pas tous leur faire écouter du Céline Fabion. Non, ce serait trop inhumain. Ah mince, j'allais oublier mon médicament. Ben quoi, qu'est-ce que je veux? Pourquoi vous me regardez comme ça? Comme c'est dilué dans la grenadine, et ben ça mettra sûrement un peu plus de temps à agir. En tout cas, merci encore les amis, parce que sans vous, je sais pas comment j'aurais terminé. Madame la directrice, la chorale est fière de vous présenter l'hymne officiel de notre école. Je vous ai préparé une grenadine pour boire. Excellente initiative, Raymond. Je reconnais bien là ton sens de la collectivité. Bien, allez-y les enfants. Ah. Bien, 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 bien. Nous pouvons commencer. 3, 4. Ah, on est l'école Robino. On chante tout le temps, c'est rigolo. On est tellement fiers, on va
tous en cœur, nous sommes la voix de Robineau. Allons, allons, on se reprend, les enfants, un peu de sérieux. Oh, Augustin, notre voix, qu'est-ce qui nous arrive? C'est tellement beau, la voix de Robineau. Monsieur Lamotte, pour l'hymne de l'école, on va se donner un peu de temps de réfléchir, d'accord? Bon ben, on a réussi, c'est génial. Plus d'uniformes, plus de chorale, plus de chansons débiles. Ouais, le seul truc, c'est que je pensais pas qu'en mélangeant mon sirop à la grenadine, l'effet durerait plus longtemps. Monsieur, s'il vous plaît? Oui, Valérian? Vous pouvez me réexpliquer le problème de maths? J'ai pas bien compris. Ah, ça suffit, Valérian. Ça fait 5 fois qu'il t'explique. Ouais, mais j'aime bien l'entendre parler. Bon, comme vous voudrez, les enfants, je recommence. Quand même, les amis, j'espère que ça va pas être permanent.